Oh, je me sens pas très bien ce matin, j'ai mal au bide. Ah, j'ai mangé trop de gâteaux hier, j'ai mal au bide. Je viens de voir un spectacle d'humour là sur internet. Oh, un jeune humoriste. Oh, le pauvre, il a fait un bide. Personne n'a rigolé. Personne. Silence total, le pauvre. Vous avez entendu? J'ai mal au bide. Le bide, BIDE, c'est le ventre, c'est du langage familier, du français familier, le bide. Donc on peut dire j'ai mal au bide, avoir mal à une partie du corps. On peut dire aussi j'ai du bide pour dire que notre ventre est un peu gros. On peut dire aussi hey, montre pas ton bide, montre pas ton ventre. Hein. Donc le bide, le ventre. Ensuite, vous avez entendu, il a fait un bide. Alors là, attention, c'est un mot complètement différent, un sens différent, c'est aussi du langage familier. Mais un bide, faire un bide, c'est en fait un échec. C'est-à-dire que le succès était attendu, on fait un spectacle, on présente quelque chose, on s'attend ou on espère un succès, et en fait c'est un échec, ça ne fonctionne pas. Les gens n'apprécient pas, les gens ne rient pas. C'est un bide. Donc, il peut avoir un bide au cinéma, par exemple, un film a fait un bide, ça veut dire il n'a pas eu de succès. C'est pareil pour un roman, pour donc un spectacle, etc. Faire un bide, un échec. Donc, voici pour ce petit mot tout simple, bide, qui a donc deux sens différents en français familier. Essayez d'utiliser ce mot dans un sens ou dans les deux sens dès que possible cette semaine. Et dites-moi en commentaire quelle phrase vous pourriez faire, dans quelle situation vous pourriez utiliser le mot bide. À bientôt!